Puis, t'en dis non, hein? Je te l'avais dit. Avant que mes parents acceptent qu'un de nos chums couche ici, il va falloir qu'on soit passé devant un prêtre. Puis même encore. Comment ils tournent ça? Même si ma mère me donne la permission, ils refusent que ça se passe sous leur toit parce que ça serait un mauvais exemple pour toi. S'ils savaient. Domingo va être déçu. Mais c'est pas si grave que ça. Il va juste être obligé de partager son lit avec ses deux vieux mononcles. Non! Excuse-moi de te dire ça, là, mais son vieux jeu, tes parents. Tu m'apprends rien. Une chance que je m'en vais la semaine prochaine parce qu'il aurait eu droit à une crise mémorable. C'est certain maintenant que ta mère revient de New York? Mm-hmm. Je pensais qu'elle était en négociation pour une prolongation de contrat. Elle aura demandé la lune. Ça marchera jamais. En tout cas, moi, j'ai déjà commencé à ramasser mes affaires. T'as donc bien hâte de partir d'ici? Je sais pas comment tu fais, Mado. Comment veux-tu faire des erreurs de jeunesse avec des parents pareils? Ça a des avantages, les parents comme des miens. Ça aide à développer l'imagination. Je suis devenue experte en trucs et astuces. Mmh. Les petites filles obéissantes, ça a jamais fait évoluer les parents straight, ça. Faut foncer! Moi, la guerre ouverte, c'est pas mon genre. Tu me fais penser à Isabelle. Elle aussi, elle affrontait mes parents directement. Je peux plus compter sur elle maintenant. Vu qu'elle a décidé de rester au Salvador. Mmh. C'est bien dommage, mais tu pourras plus compter sur moi non plus. Mon temps en dedans est fini. C'est si pire que ça ici. C'est terrible! Une chance que ton grand-père vienne de temps en temps prendre ma défense. C'est le plus moderne de la gang. Mais si tu l'aimes tant que ça, tu vas m'aider à lui trouver son cadeau de fête. J'ai pas d'idée. Elle n'a pas le temps. Domingo m'attend. Il a sûrement hâte de savoir s'il peut coucher ici. Si tu lui faisais lire la lettre d'Isabelle? Mais pas avant de lui avoir annoncé moi-même, voyons. Mais tu te décides pas à lui parler. C'est simple pourtant. Tu dis, papa, Isabelle veut devenir sœur missionnaire. Elle a demandé à rester au Salvador, puis... Même si ça nous arrache le cœur, on lui a donné notre accord. Tu vois que c'est pas si facile que ça. Lui annoncer que sa petite fille est peut-être partie pour toujours, ça va le tuer. C'est moi qui ai pris du cœur, pas lui. J'ai survécu. Tu peux pas éviter à ton père la peine qu'on a eue. Je sais. Bon, ça va. Je vais lui annoncer. Mais pas avant son anniversaire. Plus on va tarder, plus ça va être dur. Viens, je te laisse en passant chez lui. Je m'occupe de l'épicerie. Comme ça, sans m'annoncer? Je te sens dire à Mato qu'on s'absente. Je suis sûr que si j'avais été un chien perdu, pas de médaille, là, il m'aurait hébergé pour la nuit. Mingo, comprends. C'est contre leur principe qu'un gars et une fille dorment sous le même toit. D'autant plus dans la même chambre. L'auras-tu dit au moins qu'on voulait pas dormir dans le même lit? J'ai même pas réussi à me rendre jusque-là. Est-ce à toi, cette chambre-là? T'as payé jusqu'à la fin de la semaine, oui ou non? Oui. Donc, t'as le droit d'inviter qui tu veux. À moins qu'ils te fassent peur. Les Bélanger, pas une miette. C'est juste que ça vaut pas la peine de virer la baraque à l'envers. Ma mère revient dans une semaine. Chez nous, on va pouvoir. C'est pas dans une semaine que mes oncles envahissent ma chambre, c'est cette nuit. Tu dormiras sur le divan. Ça te fera pas mourir. Mes oncles ronflent tellement fort que même dans le salon, ça va être impossible de dormir. Oh, pauvre petit. Ça serait pas un petit peu parce que ça aurait été agréable de passer la nuit ensemble? C'est sûr, ça, Sophie. Ouais. C'est vrai que si je l'embrasse la cage avant de partir, ça pourrait peut-être aider Mado à avoir plus de permission après. Ah, tu le ferais pour Mado, mais pas pour moi. Pour toi? Jamais. Mon petit chouchou. Attrape ton bout. Ça tombe bien qu'il soit sorti. Comme ça, on va les mettre devant le fait accompli. On fera ça plus tard, là. On devrait y aller. Où ça? À la maison des jeunes. Essaies-tu de te défiler, Domingo Vidal? Mais non. Il faut pratiquer encore si on veut être prêt pour notre démonstration de tango.
On attend les parents Bélanger avant. T'as pas de permission à leur demander? Mais pas de cachette à faire non plus. Je joue carte sur table, moi. Tu prends les coussins ou le lit? Grand-papa? Ah! T'es tout seul? Ah, ben, c'était la prochaine fois, là, j'amènerai ma dulcinée. T'as pas parlé à maman, toi, aujourd'hui? Ah, ben, c'est impossible, hein? Moi, je suis en trotte, là, depuis le petit matin. Ah, ça fait donc du bien de marcher de même, là. Encore assez en forme, hein, le bonhomme, pour son âge. En parlant d'âge, la semaine prochaine, c'est ta fête? Ah, de ça, toi. Sérieux, grand-papa, je voulais te demander ce que t'aimerais avoir. Non, non, j'ai tout ce que je peux désirer, moi. Je veux quand même t'acheter un petit cadeau. Mon cadeau, hein, c'est Isabelle qui revient pour ma fête. Ce que je peux désirer mieux de la vie, moi, c'est que vous soyez tous autour de moi pour mes 70 ans. Tes parents sont sortis? Maman est partie te voir chez toi tantôt. Elle est peut-être encore là. Ah! Ben, je vais aller vérifier ça tout de suite. Et ça a besoin d'être vrai, hein? Sinon, je vais croire que tu voulais te débarrasser de moi. Pourquoi on fait pas ça plus discrètement? Tu pourrais peut-être me faire rentrer par la fenêtre? Pas question de se cacher. On fait rien de mal. On veut rien que dormir ensemble. À notre âge, on sait ce qu'on fait. Après tout, c'est notre vie privée, ça. Ça les regarde pas, eux autres. Puis t'es pas leur fille. C'est simple, dans le fond. Je vais leur dire, assisez-vous, je vais vous parler dans le casse. Je m'en vais bientôt, fait que je m'en fous complètement de votre permission. Monsieur puis Madame B, Domingo, il dort ici, un point, c'est tout. Je vais tout vous expliquer, Monsieur B. Un étier, c'est déjà fait. Bon, écoute, mon gars, je voudrais discuter avec Sophie, alors si tu veux bien. On va vous parler tous les deux, hein, Domingo? Genre, on devrait se rejoindre à la maison des jeunes, OK, Sophie? T'es pas à l'hôtel, ici. Tu me déçois, Sophie. Non seulement tu fais à ta tête malgré notre refus, mais en plus, tu nous manques de respect. En te prenant sous mon toit, c'est entendu que je te traiterai comme une de mes filles. Je suis sûre que vous avez tout compris de travers, là. Mais OK. Ça va être quoi, ma punition? On punit quand on pense que le jeune va en retirer quelque chose. Tu nous laisses sur une note bien amère, ma fille. En espérant qu'il n'y aura pas d'autres incidents du genre jusqu'à ton départ. Dernière chose, Sophie. Notre nom, c'est Bélanger. Bélanger. Papa, j'ai eu une idée extraordinaire pour le cadeau de fête de grand-papa. Ce serait de la part de toute la famille. Veux-tu contribuer? Bien sûr. Comment tu veux? Il manque environ 130 $, mais tu donnes comme tu veux. Voyons donc, Mado. J'ai des vacances la semaine prochaine, puis je peux même pas amener ta mère quelque part. Hein? Tu pourrais pas avoir des idées plus modestes? Comment ça a été? Oh, ça y est, c'est fait. Mon père est au courant au sujet d'Isabelle. Il doit t'en 10 morceaux, hein? Comment il a pris ça? Étonnamment bien. Es-tu sûr? Même qu'après avoir lu la lettre d'Isabelle, il a dit qu'elle avait l'air en paix avec elle-même. Bon, tu vois, on s'en faisait pour rien. Une qui doit pas être en paix avec elle-même en ce moment, c'est Sophie. T'as manqué quelque chose, maman? Ça a bardé ici tantôt. Mademoiselle avait décidé d'inviter Domingo à coucher ici malgré notre refus. Elle avait même pris les coussins du divan pour lui faire un grand lit. Je les ai surpris tantôt en train d'installer la chambre comme pour une nuit de noces. On va voir. Franchement, papa a mis Domingo dehors. Je voulais discuter seul à seul avec Sophie. Discuter? Tu n'as pas laissé placer un mot. Bon, voudrais-tu me laisser parler à ta mère, toi? Comme d'habitude. Si je suis pas comme vous autres, j'ai pas le droit d'exister. Bon. C'est pas parce que l'autre me parle sur ce ton-là qu'il faut que tu la singes, Mado. C'est parce que vous l'étouffez avec votre morale rétrograde qu'elle réagit comme ça. Avec moi, pense encore. On avait dit non. C'est de la provocation. Elle a récolté ce qu'elle a semé. Comme vous avec Isabelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'à force de pas attendre que ça boue dans le presto, le chaudron finit par nous sauter en pleine face. Arrête ça tout de suite. J'accepte pas que tu me parles sur ce ton-là. Va réfléchir dans ta chambre. Un petit 2 heures, ça va te refroidir le presto. Hein? Il est vraiment temps qu'elle parte, la Sophie. La maison est contaminée par l'effronterie.
Allô, oui? Ah, Madame Bonnet? Ça va bien? Viens, Sophie, on veut te parler. Si vous voulez encore m'expliquer pourquoi Domingo peut pas rester accouché, j'ai compris votre point de vue. Mais je m'excuserai pas parce que ce que vous avez vu, Monsieur B. Langer, c'était des folies que je faisais. Je vous aurais jamais parlé comme ça. Sophie, il n'est pas question de ça. Ta mère a téléphoné. Elle reste à New York. Elle a finalement obtenu sa promotion. Elle demandait la lune. Elle l'a décroché. Mais t'inquiète pas, tu restes pas ici. Tu nous as bien fait comprendre que t'étais pas heureuse avec nous, alors... Vous mettez à la porte? On te libère, Sophie. Où je vais habiter, moi? Ta mère pense que ce serait bien pour toi d'aller la rejoindre à New York. C'est une bonne occasion pour toi de perfectionner ton anglais. Pas cette tête-là. Pas si grave si j'ai été punie. Je regrette pas pantoute de t'avoir défendue. Au contraire, ça m'a fait du bien de leur dire ma façon de partir. De toute façon, j'avais besoin de réfléchir. Qu'est-ce que t'écris? Je dresse la liste des personnes à qui je pourrais emprunter de l'argent. Tu veux pas partir? Inquiète pas, pauvre. C'est pour le cadeau de mon grand-père. Je voudrais tellement pouvoir lui donner ce qu'il désire le plus pour ses 70 ans. Ça coûte la peau des fesses. C'est quoi ton idée de cadeau? Si je ramasse assez d'argent pour lui payer un billet d'avion aller-retour, Isabelle pourrait venir passer quelques jours pour la fête de grand-papa. En partie avec moi, toute contribution est acceptée. Je serais même pas là pour la fête. Comment ça? Ma mère a eu sa prolongation de contrat. Ton père vient de me mettre dehors. Je m'en vais vivre à New York pour au moins un an. Avec qui je vais pouvoir m'engueuler maintenant? Avec tes parents? Pour vous autres. On va s'écrire. Tu t'en vas pas ce soir quand même. Il nous reste une semaine à passer ensemble. Allez, aide-moi à trouver un moyen de faire revenir Isabelle. Mon père. Quoi, ton père? Ben, il est médecin. Il a du fric, lui. J'aime pas bien ça y en emprunter, mais pour toi, combien tu veux? Tu me prêterais de l'argent pour faire venir Isabelle. Et toute la famille va être tellement reconnaissante. Une minute. Je le fais à condition que tes parents sachent jamais d'où vient l'argent. C'est pour toi, puis pour ton grand-père. Un peu aussi pour tes parents, mais tu serais bien trop content de... De découvrir que t'as un grand cœur et qu'ils aiment bien, dans le fond. Un peu des deux. J'ai ma fierté! Maman, hein? T'aimerais-tu ça qu'Isabelle vienne pour la fête de grand-papa? Voyons, il n'a jamais été question de ça. Je sais, ça serait une surprise qu'on lui ferait. On paye le billet d'avion aller-retour à Isabelle. Mais on n'a pas les moyens. Erreur! J'ai trouvé l'argent. C'est un emprunt à terme flou. Je le remets quand je peux. Dans un mois ou dans 10 ans. C'est ça l'entente, mot pour mot. Avec qui t'as fait une entente? J'ai pas le droit de le dire. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore? Pourquoi encore? C'est pas une histoire. C'est juste que la personne qui me prête veut rester dans l'anonymat, c'est tout. Inquiète-toi pas, je suis pas allée voir un requin de la finance. Ah, Madou, il est pas question d'accepter de l'argent si je sais pas d'où ça vient. C'est ça. Chaque fois que je fais quelque chose, on m'en empêche juste parce que c'est ma façon à moi. Mais dis-moi, d'où vient l'argent? Je peux pas, j'ai promis. Mais rends-toi compte, Madou. OK. Si t'aimes mieux faire des chichis au lieu de revoir Isabelle, c'est ton choix. Mais c'est encore à cause de vos maudits principes, ça.
Demandez-vous pas pourquoi Isabelle est partie puis pourquoi Sophie s'en va. Vous vous en foutez que je sois toute seule, moi. Hé, hey, Mado! On vous parle pas de ce ton-là, je le sais! Je retourne réfléchir dans ma chambre! On est tombé en amour grâce à la danse. C'est en dansant que je vais faire mes adieux. Je vais revenir en ville dans un an, à la fin du contrat de ma mère. Un an? Chut. Je rentre à liberté, Domingo. Sophie... Laisse-moi terminer. C'est assez difficile comme ça. Tu peux recommencer à regarder les autres filles, Domingo. Même en aimer une autre. Si toi, t'en es capable. C'est... Regardez de nous le souvenir d'un couple déchiré par la vie, mais uni par la danse. Fais-moi tourner. Mais qu'est-ce qui prend ce temps que tu pouvais pas me dire au téléphone? Je le sais que ma demande va te paraître farfelue, grand-papa, mais il faut que tu m'aides à te faire ton cadeau de fête. Ah hein? Comment je peux faire ça? J'ai trouvé l'argent pour faire revenir Isabelle le jour de ta fête, mais mes parents veulent pas. Faut que tu m'aides à les convaincre, grand-papa. Tu veux faire venir Isabelle du Salvador juste pour ma fête? T'as dit que c'est tout ce qui manquait à ton bonheur. Ah, c'est ça. Grand-papa, avec ma mère, tu peux faire semblant que tu prends bien ça qu'Isabelle reste là-bas. Mais avec moi, ça passe pas. Je suis comme toi, moi. J'aime mieux vivre ces affaires-là quand il n'y a plus personne. Elle te manque, ta sœur, hein? J'ai des sous pour la faire revenir. Quelques jours, c'est mieux que rien. Oui, mais c'est beaucoup d'argent. Comment tu t'y es prise? Je pense qu'elle m'en voudra pas que je te le dise après. C'est Sophie. Elle a emprunté de l'argent à son père pour moi. Ah bon? Oh, je comprends là, ce que tu essayes de faire, Mado, mais... Je ne crois pas que ce serait une bonne affaire de faire revenir Isabelle alors qu'elle vient de décider de rester là-bas. T'as vu sa lettre comme moi? La décision est difficile, ça. Il faut maintenant lui laisser du temps. La pensée me touche profondément, Mado. Et me donne une idée. Allô? J'aimerais ça vous parler. Je préférais que vous soyez assis. Je sais que ça a été difficile pour vous de m'avoir dans votre maison, mais ça a bouleversé ma vie à moi aussi. Même si j'obéis, je vous trouve bien stock-up, Mme Bélanger, de m'empêcher de manger de la gomme ou d'écouter ma musique un peu fort. Coincé. Monsieur Bélanger, je vais vous épargner ce que je pense de vous. Quand vous me demandez que mes douches ne durent pas plus que 10 minutes ou toutes les autres fois où vous m'avez... C'est parce qu'on est quatre ici. J'ai tout compris ça, mais c'est votre manière. Vous me rendez tellement mal à l'aise. On dirait que j'ai commis un crime. Moi, ça? Bonjour, le monde. Vous dérange pas toujours? Ah, vous pouvez rester, Maurice. Je leur explique comment ils ont changé ma vie. Elle l'appelle Maurice. Oui. Exemple. À cause de vos règlements, personne ne m'invite parce qu'ils savent qu'il faut que je parte quand le party commence. À quelle heure, ça? Oh, papa. Personne n'a eu l'air de se rendre compte des gros efforts que j'ai faits. C'est injuste que vous mettiez dehors après tout ça. Pourquoi c'est toujours aux jeunes à comprendre les valeurs des adultes puis jamais le contraire? Vous avez gagné. Je m'en vais. Oui. C'est des belles preuves d'amour, ça. Pas surprenant qu'elle ait voulu prêter de l'argent pour faire venir Isabelle. Hein? Mais voyons, papa, ça n'a pas de bon sens. C'est pas notre anniversaire, c'est le tien. Mais je veux justement vous payer un cadeau pour ma fête. Ça se refuse pas, ça. Un voyage au Salvador.
Mais te rends-tu compte? Mais Jean est mal à l'aise. Oh, ça va y passer, hein? Mais ça tentait pas d'y aller, toi? Oui. Mais je me disais justement que vous vouliez aller en vacances, que vous vouliez justement faire un voyage tous les deux, que vous aviez justement votre fille là-bas. Et puis que moi, ben, j'avais envie justement de rester ici avec Mado. Ça fait longtemps que je l'ai pas battu aux échecs. Vous allez au revoir, Isabelle, chanceux. Lola, t'as ton entraînement, t'as ton école. Les deux prochains à partir, c'est Mado pis moi. Oh, mais papa! Hey, tout ce que je vous demande, là, Jean et toi, là, c'est de me ramener une photo d'Isabelle habillée en petite sœur. Si la décision que tu partes est venue aussi rapidement, c'est qu'on était certain que c'est ce que tu voulais. On en a discuté tantôt. Avec ma mère? Non. Madame B. et moi. Si tu le désires, tu peux rester avec nous. Évidemment, les règlements changeront pas. Oh! Vous m'haïssez pas? Mais voyons. Tu penses pas que c'est parce qu'on t'aime qu'on t'empêche de faire des bêtises? Un souper grippette. Dans une minute, il faut que je fasse un téléphone. À ta mère? Non, à mon chum. Ça peut pas attendre. Hey, non! Ben, comme je pensais que je partais pour un an, j'ai rendu sa liberté tantôt.